troisième clan va plus loin. Mais ils sont peu nombreux. Ceux qui, en Jésus, perçoivent une ou des associations, vous avez dit plus, et c'est 6 sur 10, bien joué, pour un montant de 40 euros à au moins une association, ce qui fait un point. Le premier SMS, c'était... Indépendant. Enfin, c'est compliqué, hein, le succès de Matrix, quand même. Oui, c'est un effet de sidération, je pense, quand on le voit. C'est un film qui clôture le siècle qui s'achève, qui nous projette dans celui qui s'est ouvert en 99. Et depuis qu'on l'a vu, on a tous très clairement l'impression que Matrix, il faut le dire aussi, c'est le genre de film qui fait une claque. Hein, maintenant, verre irrésistible de Givenchy, 30 ml pour 35 euros, aussi sur tiparixel.be. Ce que 2022 nous réserve, on n'en sait rien. Peut-être que TikTok sera enfin interdit. Oh non, tout, mais pas TikTok. Imagine tout ce temps que tu vas gagner. Pour m'ennuyer, ça oui. À gratter de la loterie nationale. Bonne chance de fin d'année. Ce que 2022 nous réserve, on n'en sait rien. Peut-être que TikTok sera enfin interdit. Oh non, tout. Oh, imagine tout ce temps que tu vas gagner. Pour m'ennuyer, ça oui. Ou pour ranger. Pour bien terminer 2021, McDonald's présente les 30 jours de Noël. Avec un nouveau cadeau chaque jour dans ton application McDonald's. Et nous sommes en direct pour la remise de prix de la plus grande star de la variété, Miss Pomme de Terre Locale. Un petit mot. Merci. Oh purée. Look inside your C'est une narration très ouverte qui non seulement permet mais invite beaucoup de lectures et beaucoup de rapprochements philosophiques. On croise dans Matrix évidemment l'allégorie de la caverne de Platon, on croise Kant, Hegel, Descartes, mais aussi la pensée très contemporaine et évidemment simulacre et simulation de genre. Sur votre table de Noël. Ça fait quelques jours qu'on déroule un petit peu le
tout ce que vous allez faire durant ce repas, c'est-à-dire qu'on a commencé par l'apéritif, l'entrée. Hier, on s'est intéressé au plat principal. Aujourd'hui, tout logiquement, on s'intéresse au dessert. Qu'avez-vous prévu comme dessert pour votre repas de Noël? Dites-moi un petit peu au 0471-200-300. Alors, j'imagine qu'il y a quelques endroits où la bûche va ressortir, mais laquelle? Ah, ça, on a envie de savoir. Peut-être que vous avez envie d'être original aussi.